Salut camarade. Ouais, salut Philippe. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Super, super. Ouais, impeccable. Bon, d'enfer. Bienvenue à la ramade. C'est beau, hein? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, bien. Ah, et puis c'est la mûre. Ouais, salut JP. Salut JP. Alors, salut JP. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Ça va bien? Impeccable. Pêcher des plans d'eau aussi différents que variés permet certainement d'accroître son expérience. Je suis aujourd'hui à 700 km de chez moi, avec mon ami Lionel Régnon, sur le magnifique plan d'eau de la Ramade, situé à des frontières que j'imagine entre un pays vert et bleu, le département de la Creuse, et le pays des volcans en Auvergne. J'en mettrai une et puis moi après je pêcherai. Avant toute session, il faut pêcher des informations. Hier, on arrivait à en pêcher à quoi, 50 mètres devant, hein. C'est pas la peine de tirer comme des bêtes. Bien sûr, bien sûr. Et plus tu les pêches court, bon, et moins t'as de risque de les voir se planter dans la tourbe. Bon ben là c'est clair, hein, tu vois, le fond il est complètement plat, complètement uniforme. Ouais, tout à fait. Il n'y a aucun relief, rien du tout. Donc là le problème est vite réglé, on va faire une ligne d'amorçage. Tout à fait. Bon, vu la largeur du cou, on peut faire un V. Mmh. Hein, bon, un V. Donc bon, nous on se trouve là. Ok. Ok. Ouais. Puis on dispose des cannes de cette manière. D'accord. Et puis on en met une. La quand tourbière même, ici, hein. Au ras de la tourbière. Intéressante à pêcher. Là. D'accord. D'accord. On la met un peu sol. En ras de tourbière. Ok. Puis là, on fait un amorçage plus ou moins conséquent. Là, on diminue, mais on met une canne quand même. D'accord. Okay. Donc avec une distance de pêche qui commencera à peu près pour la première canne à une quarantaine de mètres. Là, on va faire 40-50. Voilà. Parce qu'il sera plus facile après d'aller les chercher au loin que de les faire venir. Ouais, d'ajuster notre pêche s'il y a besoin. Oui. D'accord. Mmh. Sans problème. Okay. Puis bon, c'est tout simple. Ah, oui. Non, mais ça me paraît bien comme ça. Puis en plus, on a le bon vent. Alors, il est en plein en face de nous, c'est quand même déterminant comme facteur. Quoi. Je pense aussi. Hein? Oui. Ouais, ouais. La difficulté sur ce type de fond qui est très très uniforme, eh ben, c'est de trouver une différence quelle qu'elle soit. En fait, ce qu'on a réussi à trouver, c'est la limite de fond dur et de fond mou. Il est vrai qu'elles trouvent leur nourriture naturelle dans le fond mou, mais elles trouveront nos appâts plus facilement sur un fond dur. C'est bien dur là. C'est bon Philippe, ça va là? C'est ouais, bien dur là, allez, allez. Ça les propre là. C'est bon. C'est bon là. Super. Alors je vous présente ici les tubes repères. Il s'agit en fait d'une astuce de pêcheur qui nous permet donc de marquer un coup sans employer de nylon. Donc il s'agit d'un tube communément appelé tubiro qui sert en électricité. Donc l'intérêt de ces tubes, c'est qu'ici on aura différentes sections qui nous permettront de nous adapter à tous les fonds, toutes les profondeurs, avec un système mâle-femelle, donc pour ajuster chacun des tubes à la hauteur voulue. Le gros avantage de ce genre de repère, on va prendre l'exemple avec ce morceau-ci. On y place une vis avec un petit crochet que l'on trouve également dans le commerce. Un système de mousqueton avec un plomb, ici en l'occurrence un plomb de balance. On clipse le mousqueton et on va déposer le tout au fond. Donc on voit bien ici que quand le fil passe sur le repère, il prendra appui sur le tube et pendant le combat se libérera enfin du tube et le tube se remet en place à la position initiale. Donc aucun risque ni pour le poisson, ni pour vous. Ben, on se mettra à trois, t'inquiète pas, on partage les départs, et puis le principal, c'est que tu sois là. Ah ouais. Bon, il vient, hein. Bon, dans combien de temps t'es là? Bon, ben, c'est nickel. Allez, salut Jean-François, à tout à l'heure. Ouais, c'est géant quoi. Ah ouais, il est en route là? Ouais, ouais, il est en route. Ouais, ben parfait. Donc là, Philippe, on a trouvé une nature de sol qui reste assez vaseuse quand même. On a pu localiser quelques bancs durs. Grande majorité, c'est mou, hein, beaucoup de vase. Hein. Ouais. Donc au niveau de l'amorçage, comment tu vois ça toi? Bah écoute, c'est clair, hein. Tu vois là, j'en ai du granulé. Ouais. Hein. Donc c'est du granulé à base de farine de poisson. D'accord. Et j'en ai deux types en fait. Hein. Donc là, t'as un granulé qui est soit conséquent, très odorant. Puis j'en ai un autre là en dessous.
Ouais, en effet, on sent bien la farine de poisson. Ouais, ça c'est tout nouveau. C'est à base de liqueur de maïs. De liqueur de maïs. Ouais. D'accord. Alors si tu veux, ce genre d'appât, ouais, pour des fonds relativement mous, c'est excellent parce que bien évidemment ça ne s'enfonce pas dans la vase. Et puis alors, ça crée des micro-particules, tu peux faire un tapis, ça gaffe pas le poisson, enfin tu sais comment ça fonctionne. C'est comme un marqueur en fait. Ouais, c'est tip-top comme truc. Et moi, tu vois, dans ce genre de situation, je préfère utiliser ça que des graines. Alors par contre, j'ai prévu une grande quantité de bouillettes. Bon, il y a 55 kg de bouillettes, mais de deux types différents. C'est-à-dire, j'ai des bouillettes poisson au caviar, qui vont très bien avec le granulé de poisson. D'accord. Et des bouillettes cranberry qui vont très bien avec ce tout nouveau granulé là, à base de liqueur de maïs. D'accord. D'accord. Donc j'en ai pris une grosse quantité, il y a 55 kilos. Il faut toujours faire face, pouvoir répondre à une situation. Tu sais aussi bien que moi, 20 départs par jour, c'est pas avec 500 grammes d'appât que tu vas garder c'est les clair. Poissons. Il faut les tenir sur le coup. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que... Ok, il y en a 55 kilos, mais on va peut-être en ramener 40. Tout à fait. Hein, ça dépend. Il faut s'adapter en fonction. Hein, okay. Puis alors bon, si tu veux, troisième type d'appât, un peu particulier aussi, mais qui rejoint quelque part le granulé pour l'effet mécanique, c'est les bouillettes solubles. Voilà. Okay. Et là, pareil, j'ai deux types de bouillettes solubles, toujours en relation avec mes bouillettes. Parce que bon, moi, il y a un principe auquel je tiens beaucoup, c'est pas faire trop de mélange. Pas leur donner le choix, en fait, la possibilité de choisir aux carpes, tu vois. Mm-hmm. Parce que bon, tu mets du lupin, du chènevis, des bon, attends, faut pas trop mélanger. En fait, un petit d'appât, deux petits d'appât, terminé. D'accord. Mais quelque chose de cohérent, tu vois, qui se ressemble. Okay. Puis en plus, au niveau tactique, c'est intéressant. Parce que si tu veux, tu as une bouillette fruit, donc on va la mettre sur un secteur, on va mettre une bouillette poisson sur un autre secteur. Ouais. Quitte à mélanger les deux appâts dans deux jours, pour un petit peu plus les tromper, ces poissons. Ouais. Quand il y a une différence. Voilà, ouais. Donc là-dessus, on est paré. Donc ce qu'on va faire, on va répartir les appâts différemment. Tu vois, dans cette caisse, moi, dans ce seau-là. Salut JF! Salut vieux rat! Ah, comment tu vas? Ça va bien? Ah, c'est génial! Il y a du chemin pour ramener, heureusement que je suis pas venu charger. Hein. Salut, tu vas bien, camarade! Hey. Super! Lionel est là? Ouais, il est là! Lionel! Oui! Ah, salut! Alors? Ah, tu fais bonne route! Ouais! T'as trouvé nickel? Ouais! Oh, super! Par contre, dis donc, vous avez pas l'air d'avoir un temps terrible, non? Ouais, ça change un peu. Attends. Après une nuit de repos et l'arrivée de Jean-François, il est temps de mettre en place un amorçage conforme à la stratégie mise au point en début de session. Dans ce cas précis, il s'agit d'abord de pêcher pour un poisson et de s'adapter ensuite si les carpes sont nombreuses et en forte activité alimentaire. En plus, quel professionnel. Thank you.
Très souvent, les premières touches se manifestent rapidement. Quelle que soit la taille du poisson, le premier départ est porteur d'émotion. Un monstre. Et ta cagoule, elle est ouf. Un monstre. Que vous avez un peson taré à 50 kilos. À votre, les mecs. Allez, tchitchine, Philippe. Lionel, les gars. À la tienne. Eh bien, ça allait déjà pas trop mal, mais tout de suite, ça va mieux. Je dirais même, ça pêche. C'est vous qui sentez le renard? Du tout point, que de méprise d'un coup, dans un moment de grande convivialité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Poussées par le vent, les carpes occupent le secteur du côté droit de notre poste. Sous le soleil et avec quelques bulles de musique dans le casque, je vais épuiser notre premier départ de jour. Ça. Super. Ça, c'est les couleurs des ramadiennes. Et nous, on ne le pèse pas. Voilà. Parce que l'important, c'est d'avoir des touches. 12,8 kg, 13,2 kg, où est la différence? C'est de toute part. Façon un beau poisson. On a mis la même énergie pour avoir un poisson. Et tu lèves le taxi. Voilà, voilà Philippe. Je prends une photo quand même parce que. Qu'est-ce qu'il va nous faire le grand web? Attends, je te vois pas venir. T'en as beaucoup transpiré pour la sortie de la grosse carpe. On peut voir l'effort qu'il a beaucoup transpiré sur son poisson. Tu veux bien de moi, alors on repart tous les deux. Ah, il y a de la chance que t'aies vu venir. Ah, sacré lascar. Allez, ça suffira pour deux cannes, un peu de grenouillet, deux pelettes. Allez, ça suffira largement pour deux cannes. Bon, allez, Philippe, j'y vais. Ok. Je vais chercher mes cannes et je passe de l'autre côté. Regarde, c'est superbe les fleurs qu'il y a ici. Hein. Génial. Bon, ça y est, je suis à ma petite reculée, on va mettre celle-là là, et je vais aller poser la première. Pêcher dans les obstacles, là où se trouve la nourriture naturelle des carpes, est souvent payant. C'est ce que nous allons vérifier. Au cours de cette expérience, Jean-François inventera une nouvelle technique, la pêche de la carpe au terrier. Sa traque ressemble plus à la façon de pêcher du héron, à une pêche académique, mais seul compte le résultat. Ah,
n'oublie pas la bouée. Ah, décroché. Elle s'était mise, tu vois, le nez dans la tourbe et elle s'est décrochée. Bon, eh bien, c'est pas grave, je vais remettre. Dans une tourbe. Elle est sortie une fois et elle s'est repiquée une deuxième fois dedans. Il a été génial, je trouve, parce que j'ai eu un premier départ, dis donc. Et mon poisson s'est décroché, parce que dans les tourbes, c'est épouvantable. Les poissons viennent se coller dans les trous des tourbes, donc il faut les tenir quand même avec une certaine pression. Sinon, ils se bloquent et tu les perds. Et j'ai perdu mon premier poisson comme ça, et j'avais à peine reposé ma canne que j'ai eu un autre départ. J'ai ferré mon poisson qui a été direct vers les tourbes. J'ai bridé, mais pas trop, parce que je pêche avec la canne de livre. D'ailleurs, cette petite canne, cette de livre de Philippe, elle est géniale, hein, cette canne. Elle a une action, c'est superbe. Et je voulais aller combattre avec le bateau, mais Lionel et Philippe étaient partis combattre avec le bateau sur un autre poisson. Donc, j'avais pas le choix, il a fallu que j'avance dans l'eau. Mais marcher dans les tourbes, c'est vraiment difficile, parce qu'on enfonce, on n'arrive pas à se dégager les jambes. On ressort de l'eau, on remonte sur un niveau de tourbe, et on passe au travers à un moment donné, on est vraiment bloqué. Alors ma carpe, le combat il a été génial parce que j'arrive à la débloquer une première fois en allant vers elle. Elle repart, je la retravaille un peu. Elle repart sur la droite. Elle repart sur la droite. Elle se rebloque de nouveau dans un trou de tourbe. Je vais dessus et en étant relativement près, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de taper un coup sec dans le sol, et ça a dû la surprendre et ça m'a permis de la lever un petit peu, et elle est ressortie du trou où elle était dans les tourbes. J'ai réavancé dessus et elle s'est rebloquée une troisième fois. Et là où j'étais dans les tourbes, c'était vraiment difficile, très difficile à marcher. Hein. Y,
y a un moment donné, je me suis retrouvé avec une jambe coincée, je ne savais plus comment trop faire. J'ai été vers mon poisson, je pensais que le poisson allait partir quand même, à la distance où j'arrivais dessus. J'étais à un moment donné quasiment à 3 mètres et elle ne bougeait pas. J'ai dit ça y est, j'ai perdu mon poisson, je suis encore accroché dans la tourbe, mon poisson s'est décroché. Et j'ai tourné un peu ma câble pour essayer de voir comment elle était rentrée. Et j'ai rentré le sion dans l'eau, j'ai un petit peu tourné, puis rien n'y faisait. J'ai rentré un peu la canne un peu plus vers le trou, et là j'ai senti que ça vibrait. J'ai donc tiré relativement doucement quand même, et elle est ressortie. Mais c'est incroyable, elle m'est ressortie, elle était à 1m50, 2 mètres de moi, donc je faisais quand même attention dans la flexion de ma canne. Oh, yes. Pour ne pas être trop en contact, quoi, d'avoir un mauvais angle de canne. Ah bah dis donc. Et puis bon, elle est repartie, et puis là, heureusement que les copains m'ont passé une épuisette, et j'ai combattu mon poisson, mais c'est difficile d'avoir l'eau jusqu'à la poitrine, c'est quand même pas facile pour tirer son poisson vers soi et l'épuiser. Et pour moi, ça sera quand même un souvenir, parce que c'est un beau combat. La bestio, hein. Je crois. On a un poisson pas mal. Bon, bah heureusement que j'avais mis mon short à sécher, quoi. Puis elle était passée dans le fil de l'eau de canne. Fou. T'en as fait voir un peu, hein. Hein? T'en as fait voir. Attends, j'en ai chié 3 fois, elle est tankée dans les tourbes. T'as vu à quelle distance je l'ai détanquée la dernière fois? Elle était à combien? J'en sais rien, elle était à 3 mètres de moi. À la verticale, comme ça, j'étais dessus pour tourner. Et ben, ça a été un beau combat. Ouais, hein? Et puis un beau poisson. C'est un beau poisson. Lève-le, bouge pas. La tourbe, bonjour le sport pour marcher dedans. Hein. Un coup t'es en hauteur, un coup t'es dans un trou, tu dégringoles de 80 cm. Impeccable. Bon, allez, on va remettre dans l'eau gentiment. J'en ai bavé dans les tourbières, hein. Mais pour une petite canne de 2 livres, c'est génial quand même. Hein. Génial. Savoir se remettre en question est une des qualités du carpiste. Il ne faut jamais hésiter à se déplacer, à changer de poste, si l'on estime que certains paramètres vont changer et modifier la pêche. La vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. Allez, salut les artistes, je m'en vais. À tout bientôt. À bientôt, Philippe, à Strasbourg. À bientôt. Lionel, à bientôt. Bon, merci à vous deux et terminez bien la session. Tu me fais pas un petit bisou ? Ah, si, bon, allez. Allez. Salut, mon grand, à bientôt. Terminez bien la session. Oh, t'es adorable. Salut. Salut, grand. Salut, Jean-François. Jean-François nous a quittés, malheureusement, parce que bon, il a d'autres obligations. Et puis, alors, paramètre fondamental maintenant pour la pêche, c'est que le vent a tourné. Et il ne pousse plus contre la berge sur le poste où nous étions auparavant. Et donc j'ai choisi maintenant de pêcher un poste complètement différent, à savoir un étranglement, c'est une des parties les plus étroites du lac. Et j'ai repéré sur la berge d'en face, par rapport à notre poste, des arbres qui tombaient dans l'eau. En passant l'écosondeur, je me suis aperçu aussi qu'il y avait une nature de fond très intéressante, à savoir du sable et quelques rochers où viennent se loger forcément les écrevisses. Donc le vent ayant tourné, je pense que les poissons vont sortir des zones peu profondes et des extrémités du lac, et commencer à circuler un peu partout dans le lac, et on va essayer de les intercepter dans cette passe. Donc là, c'est une pêche un peu plus précise, un peu plus technique, puisque les fonds sont quand même variés, il y a plusieurs possibilités de pêche. Et puis, on va essayer d'intercepter les poissons de passage. Alors pour ça, j'ai localisé les arbres en face, et puis j'ai trouvé le lit de la petite rivière qui passe dans ce lac. Bon, il y a une différence de 30 cm, mais quelquefois, si peu de différence, ça peut être un élément fondamental. Donc là, dans à peine 1 mètre de fond,
Je viens de trouver un sol relativement dur, à base de sable. J'ai vu à peu près la limite entre le sol mou, la vase, et le sable. Donc je vais choisir ce premier emplacement. Et je vais accrocher un repère sur l'arbre de manière à pouvoir être le plus précis possible de jour comme de nuit. Il fait un peu sapin de Noël, mais en matière de précision, alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai fait une espèce de tâche d'amorçage avec beaucoup de granulés et de billettes solubles. Et je vais placer ma ligne à l'extérieur de cet amorçage, c'est-à-dire dans le sens présumé de la venue des poissons. Hein, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Car si le vent souffle maintenant dans cette direction, il est probable que ce vent aussi change. Donc en fait, les poissons qui sont dans la grande eau peuvent aussi revenir de l'autre partie du lac. Alors en fait, un poste, c'est jamais 50 ou 80 mètres. C'est observer la configuration du lac et puis aller un petit peu à la pêche des informations pour savoir ce qui se fait dans les autres parties. Ce sont souvent des facteurs très intéressants qui permettent de mieux comprendre le mouvement des poissons. Alors il y a aussi un petit détail qui est très intéressant, c'est que les branches baignantes, plus la hauteur des arbres, créent une zone d'ombre. Et ça peut être déterminant. Ça peut permettre de prendre la poisson la journée alors que tout le reste du plan d'eau est en pleine lumière. Bon, la nuit, ça pose aucun problème, les poissons passent près du bord. Mais cette zone d'ombre me plaît beaucoup. Et là, un petit morceau de PVA, un petit coup de booster hein, à base de caviar. Et voilà. Ça tient. Donc là, je vais déposer ma ligne, tu vois. Je vais mettre quelques poignées de bouillettes dessus. Sur le plateau rocheux qu'on a repéré, là. Ah ouais. Puis une poignée de nourriture, de cette nourriture-là, tu vois. Nourriture bien connue, nourriture pour chien. Ouais. Un excellent produit, hein. Pas mal de matières grasses, beaucoup de carotène aussi. Un doublement, en fait. À carpe et puis à écrevisse, quoi. Donc c'est très bon. Ouais, donc là, c'est un poste, mais avec une configuration un petit peu spéciale. Il y a pas mal de gros rochers sous l'eau. Hein, on en voit un près de la berge. Donc ça, c'est quand même aussi une forteresse à écrevisses. Hein. Et forcément, en plus, un coup de bordure, comme ça, eh ben, les carpes, elles y passent. Quoi. Donc le but de la manœuvre, c'est bien sûr de ne pas mettre ma ligne à 10 cm du rocher, mais à proximité. Puis étant donné que c'est un lieu de passage, eh ben, d'assurer pour prendre un poisson, parce que souvent, il faut pêcher pour prendre un poisson et ensuite s'adapter s'il passe beaucoup plus nombreux. Donc une petite poignée de bouillettes. Donc je vais mettre ma ligne à cet endroit-là, là, hein, de manière à que ce soit visible du poste. Puis là, vu la distance, je suis obligé de tirer la ligne. Par contre, j'utilise un très très bon fil. C'est du Tournament Fluo, du feu par Daiwa. Mais c'est vraiment un fil excellent. Thank you.
petit visiteur sympathique, pêche de la carpe. On attrape pas seulement des carpes de temps en temps, on attrape ce très très beau poisson qu'est la tanche. Des fois, elles sont tellement petites hein, qu'il faut les chercher. Mais les petites d'aujourd'hui sont les grosses de demain. Et puis en fait, on met toujours la même énergie pour apprendre un poisson. Qu'il soit gros, qu'il soit petit, c'est le plaisir qui compte. Puis, après une pêche de nuit, on peut avoir la tête dans le sac. Putain, c'est pas vrai. Ah, tu vois comme il remonte le sion là ? C'est pas exp... Allez. Touche en venir. Hop, c'est parti. Ah, c'est une carpe. À la pêche de la carpe, il y a plus de constatations que de certitudes. Le mystère ne se dévoile pas aussi vite qu'un jour qui se lève. Merde, l'épuisette, tu vois. Merde. Merde, merde, merde. Okay. Oh putain, le pied, je peux pas dire d'autre chose, c'est le pied. Ça c'est vraiment un très beau poisson. Voilà, donc ça c'est un poisson qui a été sorti des branches, donc une pêche d'obstacle.
un très beau poisson avec vraiment un combat très intéressant. Elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, c'était très plaisant. Il y avait des trous, des obstacles. Il a fallu lutter un petit peu et puis on a le cadeau d'une superbe ramadienne. Un grand moment, un de plus. Une santé, hein. Santé, hein. Vraiment la santé. Ouais, ça. Il est quelquefois difficile de s'extraire de la chaleur d'un duvet et de dormir 3 heures par jour, mais à chaque départ, qui sait si au bout de la ligne, il n'y a pas une exception de toute beauté, quelle est la taille du mystère qui nage dans le monde aquatique ?
En ce qui me concerne, le poids d'un poisson n'a pas vraiment d'importance. La pêche de la carpe est un univers complet. Le poisson n'est qu'un élément de cet art de vivre. Faut-il constamment rêver ou prendre des poissons? Les deux sûrement. Une touche argent. Ah ouais, attends, c'est les plus durs, effectivement. Maintenant, au niveau pourcentage de touches réussites, on va pas se plaindre. Ouais. Bah, on est loin du bord, hein, quand même. Ça fait une tirée. Hein. Ouais. Ça fait une tirée, elles ont le temps de faire quand même des points. Quelques mètres en ayant l'hameçon qui se balade dans la gueule, qui est pas bien ferré, et puis nous, on gère ça derrière. Ah, par contre, moi, je trouve qu'elles ont pas les bouches si molles que ça. Pas du tout. Celles qu'on a pris là, moi, j'en reviens pas. La caillasse, hein, la commune que t'as faite tout à l'heure. Et par contre, je suis bien content parce qu'au niveau stratégique, on a bien bougé. Tout ce qui est passé là, c'est rentré. Hein. Ouais. Saut dans ta baie, crao, départ. Saut chez moi, crao, départ. Là, le choix de bouger était le bon choix. Et de venir ici, quoi. Quand le poisson prend la bouillette, hein, t'as remarqué, hein, ouais, ouais. Le poisson enquille la bouillette, poids du plomb, saute hors de l'eau, et Philippe prend la canne. Génial, génial. Poisson qui saute par l'inertie du plomb. Super. Je dormais profondément.
Santé les fiches, hein, ouais. Voilà. C'est gros. Eh ben les lascars. C'est dur, hein. Je suis abonné au Pins. Pas, hein, c'est pas un de mes hameçons. Le dos du poisson vers moi, fais-le basculer vers moi. Voilà. La tête du poisson vers moi. Trop. Ah, ce que c'est beau, les couleurs jaunes comme ça, j'adore. C'est vraiment calme. Ramasse ma canne. Ah bah c'est bien. C'est celle-là, elle est dans le très vieux. Ah oui, je l'ai entendu faire feu. C'est une carapace. Ouais, bah c'est sûr. Une carapace. Excité par les milliers de particules de granulés et des bouillettes solubles, les carpes sont sur l'amorçage. Les départs se succèdent. Si les résultats sont liés au montage et aux appâts, parmi beaucoup d'autres choses, une certaine condition physique et la motivation sont absolument nécessaires. C'est un beau petit poisson. Bah, je te laisse. Okay. Allez, tu feras le film mer. Thank you.
Donc voilà, pour obtenir une attraction instantanée, eh bien, j'utilise souvent un spray. Voilà, j'imprègne donc la bouillette que je mets sur mon montage et qui va développer une attraction instantanée sur le fond. Bon, en matière d'attraction, j'utilise aussi un truc très efficace qui consiste à faire un trempage, c'est-à-dire à introduire quelques bouillettes dans une solution très particulière. Voilà, bon, généralement, c'est à base d'huile, d'arôme, d'huile essentielle, ça, une odeur assez forte. Donc, il y a une petite pince spéciale prévue à cet effet, très très pratique. Voilà, ensuite, il ne reste plus qu'à mettre cette bouillette qui a trempé depuis 10 à 12 heures sur le cheveu. En matière de montage, et notamment pour m'adapter sur ce poste, j'ai dû construire un certain montage. En fait, la distance de pêche est environ 120 mètres. Il y a un vent de travers. Je vais pêcher sur un sol dur. Donc, j'ai adapté mon montage en conséquence. J'ai ici donc un montage plomb main, 130 grammes, bon, que j'ai camouflé pour avoir beaucoup plus de discrétion. J'ai fait un bas de ligne en tresse, enfin en ligne amnésia, relativement court, parce que vu la distance et le vent de travers, je veux éviter un maximum d'emmêlage. Bon, on constate que ce bas de ligne est bien plus court que l'anti-emmêleur. Et bah, le plomb de 130 grammes me permettra aussi, vu la position du montage par rapport à la berge d'en face, d'assurer un ferrage, je dirais, automatique, compte tenu que toutes les touches que nous allons avoir seront des touches à revenir. Donc un bas de ligne raide hein, en amnésia qui permet de réduire considérablement les risques d'emmêlage et puis un plomb vraiment réellement efficace. Maintenant en matière d'hameçon, j'ai choisi un hameçon Fox numéro 1. Et petit point de détail très important, j'ai ligaturé le cheveu à hauteur de la pointe. C'est le genre de petit détail qui permet de crocheter beaucoup plus de poissons. Sur le plan d'eau de la ramade, la majorité des fonds sont des fonds relativement mous, donc à base de vases, de tourbières et tout. Donc on peut utiliser ce type de montage qui est en fait un plomb trilobe hein, d'environ 100 grammes. On voit ici qu'il n'y a pas d'anti-emmêleur, hein, c'est une question de présentation. Par contre, le plus intéressant, c'est en fait la longueur du bas de ligne. Hein, on voit ici que contrairement à ce que j'ai montré avant, on a un bas de ligne qui fait à peu près 40 cm, de manière à ce qu'il y ait une présentation naturelle sur la base. Et ce plomb s'enfoncera moins qu'un plomb traditionnel. Bon, ici, au plan d'eau de la ramade, nous avons eu la possibilité de déposer des repères en bateau. Par contre, sur les plans d'eau où le bateau n'est pas autorisé, il existe cette astuce qui consiste à mettre un flotteur en guise de repère. Donc on procède de la manière suivante. En plus, on peut mesurer la profondeur. Il suffit de libérer un peu de fil. Ensuite, eh bien, on a utilisé une bobine avec un fil relativement vieux, usé. Et là, je vais vous montrer une astuce pour obtenir un repère qui soit extrêmement discret et qui ne pénalise en aucun cas la lutte avec le poisson. Donc, on coupe. Le repère est coulé. On dissimule le point d'attache et on s'en va. Admettons maintenant qu'on revienne le lendemain pour amorcer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer le fil entouré et le flotteur va réapparaître. Toujours très intéressant de créer un marquage sur le fond hein, sur lequel on va pêcher. Alors en fait, on peut le créer par l'intermédiaire de bouillettes solubles ou de granulés, mais j'utilise aussi assez souvent des bouillettes que j'ai trempées dans un mélange particulier à base d'huile de foie de morue et de Nutramino. On s'imagine la trace que cela peut laisser sur des fonds durs, mais aussi l'attraction, je dirais, verticale sur un fond mou. En voici la démonstration.
devenir toute garçonne celle-là. L'œil du bison s'allume. Allez, ça commence à être un peu hein, bon Dieu là. Fuck the pins. Et tu vois, même sur un pin, tu regardes la canne comme on le tourne. C'est clair. Alors, comme pour l'ironie sur le mec. Hein. What the fuck, d'or. Ramadou. Oh oh. Bison en action. Si le fil casse, je me prends le sion dans la tête. Come on, bébé, come on, bébé. Peut avoir petit poisson bah, qui soit très très beau, parce que moi j'estime que ça, quel que soit son poids, c'est un très très beau poisson. Les couleurs, sa morphologie, bah, voilà un petit poisson bah, qui me fait très plaisir. Bien content d'avoir pris un aussi joli petit poisson. Toutes les bonnes choses ont peut-être une fin, et il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Camarades. Une session de pêche de la carpe est une aventure, c'est aussi la liberté, quand celle-ci s'accompagne d'une harmonie avec la nature et des amis qui savent qu'un instant est une vie. Alors, on oublie le poids des poissons, la fatigue, le froid ou la pluie, seule subsiste cette irrésistible envie de recommencer. Ok, ça marche. Bon, t'arrêtes ta caméra, toi ? Non, c'est bien dur. Non, non, ce qu'il faut que tu fasses, tu vois le coin de la cabane. Oui, bah oui, bon, la dérive, je vais te la prendre dans la tête. Et à tout le monde entier. Oh mon Dieu, j'en étais sûr ! C'est un mutant ! C'est un mutant ! J'ai percé le mystère du lagab, lagab. Lagab, lagab. Ça, c'est une belle remise dans l'eau. Hein. Super. Génial. Ça, c'est... Oh, le... Oh, pardon, mes mères. Messieurs, tout cela se paiera. Vous n'êtes que des scélérats. Mais non, mais pas. Vous n'êtes que des lémuriens. Attention, action. Trafic de carpe, je suis contre. Et puis transférer les plans d'eau. Oh putain, à refaire. Transférer bon. Les plans d'eau. Bon, je reprends sur un. Je me remets le. Ici au plan d'eau de la ramane. Attends. On la refait, hein. Oh, tu me la mettras, celle-là, qui tous sont pas cassés. On y va. Action. Bon, ici, au plan d'eau de la ramade. Sans risque de décroche pour le pêcheur. Zip, voilà. Intérêt de la douille en laiton, évidemment, c'est qu'on peut dévisser à loisir, sans pouvoir, sans... Elle va y faire un coup, là. Que bordello. Encore un petit coup, j'y pire. Sur côté, là. Ouais. Ha 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 ha!
Voilà, donc Monsieur Plane, responsable de l'étang de la Ramade. Allez, pour le plaisir. Ah diable. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Là, on pourrait demander à Guy de nous la faire. Hein. Ceci dit, ça pourrait être la bonne incantation pour faire démarrer cette canne pour qu'on te filme en train de sortir un poisson. Ah oui. Ça mérite, hein, Guitou, ça mérite. Une semaine, c'est long. Hein. Ah, on est parfait. Hein. Bon, Philippe, alors comment tu vois le coup, là, pour l'amorçage? En deux parties. C'est-à-dire, sois plus précis. Eh bien, écoutez, je sais pas. Je vais vous le dire. Est-ce que tu en mets une à longue distance ou tout au repère? Ça dépend. Et voilà, sur le plan 2 de la Ramade, nous voulons battre le record du monde. Remise à l'eau, Philippe. Fais la remise à l'eau, s'il te plaît.